Jamais à pardonner. Et le problème, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pardonner. Beaucoup de chrétiens ont le problème de pardon. Ta vie sera bloquée. Tu ne marcheras jamais dans la victoire. Les ciels qui vont être ta tête sera toujours un ciel fermé. Bien-aimé, venez avoir la capacité. Et cette capacité est en vous de pardonner. Alléluia. Et je sais, va même plus loin. Et nous nous pardonnons même nos ennemis. Vous devez pardonner, frères et sœurs. Mais vous ne pourrez pas pardonner si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Je parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Pas l'amour humain. Pas l'amour naturel. Mais l'amour de Dieu. Cet amour, frères et sœurs. Alléluia. Que Jésus a manifesté sous la croix. Où il n'a rien fait, il n'a jamais commis aucun péché, mais prendre notre place, mourir notre place, ça c'est l'amour divin. Et Dieu attend à ce que les enfants de Dieu puissent vivre dans l'amour divin. Dis-moi amen. Amen. Aimer quelqu'un qui t'aime, ça c'est naturel. Même les païens font la même chose. Les païens aiment les gens qui les aiment. Le païen déteste les gens qui le détestent. Un chrétien doit élever le standard de sa foi. Alléluia. Amen. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans ce standard-là. Où tu l'aimes, il t'aime. Où tu n'aimes pas, il ne t'aime pas. Il y en a même qui vont plus loin. Quand même, quand tu l'aimes, il ne t'aime pas. Ça, c'est diabolique. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas faire, frère, du mal à ceux qui vont faire du bien. Il ne faut jamais faire ça. Ton père, ta mère, ton mari, tes amis, ta famille, ton pasteur, ton église, ne faites jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. La Bible dit, c'est lui qui fait du mal. Le mal est plus souvent. Il ne faut jamais faire du mal aux gens. Alléluia. Il ne faut jamais programmer à faire du mal aux gens. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez bons combattants. Éphésiens 14, pardon. Nous pardonnons réciproquement. Faites l'effort, ma soeur, alléluia, de ne pas faire du mal à ceux qui vous font du bien. Alléluia. Jamais. Même si tu as raison de le faire, même si tu peux le faire, ne faites jamais du mal. C'est pourquoi l'amour que Dieu demande aux enfants de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Pas l'amour humain. Et même aujourd'hui, des gens se haïssent les uns les autres. Des couples ont divorcé. Mais quand tu regardes ces couples derrière, 10 enfants, ils se sont aimés. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'amour naturel. L'amour de Dieu supporte tout. Il croit à tout. Il pardonne tout. Il espère tout. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vivre cette dimension d'amour. Alléluia. Amen. Où les gens, quelqu'un te fait du mal, tu refuses de le faire du mal. Tu le fais du bien. Et cet amour-là, il n'y a que Jésus qui le donne. Quelqu'un me dit amen. Amen. Sans Jésus dans ton cœur, dans ta vie, tu ne pourras pas aimer. Amen. Tu ne pourras pas aimer. Amen. Très souvent, nous les chrétiens, nous avons l'amour par intérêt. Amen. Ça, c'est l'amour naturel. L'amour de Dieu, bien aimé, cet amour que Jésus a manifesté sous la croix, où il n'avait rien fait, aucun péché, pour mourir à part des autres. C'est l'amour de Dieu. Où tu arrives à une dimension où tu peux souffrir à la place des autres. Yes. Oui, c'est possible, frère, que tu fonctionnes dans cette dimension d'amour.
Et quand cette dimension est dans ton cœur, pardonner sera facile. Quelqu'un me dit amen. Pardonner sera facile. Mais si vous fonctionnez que sur le niveau humain, c'est pourquoi beaucoup de frères et de sœurs, alléluia, n'arrivent pas à pardonner. Ce message est pour quelqu'un d'entre vous ici. Amen. Je dis ce message, c'est pour quelqu'un d'entre vous ici. Amen. Vous recevez ce message-là, vous serez béni. Alléluia. Amen. Vous serez délivré. Parce que le premier caractère de l'amour, c'est le pardon. Quand vous voyez quelqu'un qui pardonne parce qu'il aime, vous ne pourrez jamais pardonner à quelqu'un que vous n'avez jamais aimé. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, si vous remarquez très bien, les gens qui vous font tout le temps du mal, parce que dans leur esprit, ils savent que vous les aimez. Amen. 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 C'est pourquoi, bien qu'ils font du mal, quand ils viennent, tu les pardonnes quand même. Ces gens savent que vous les aimez. Vos enfants savent que vous les aimez. Ils savent que quoi qu'ils font, quand ils viendront demander pardon à maman, à papa, ils pardonneront. Amen. Parce que vous les aimez. Si dans votre cœur frère, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, vous ne pourrez pas le pardonner. Amen. C'est pourquoi les gens sont dans des vengeances. Ma soeur, mon frère, je parle à quelqu'un ce matin ici. Yes. Tu n'as pas le droit de te venger. Amen. Tu n'as pas le droit. Amen. Et personne n'a donné ce droit-là. La Bible dit, ma Bible dit, à moi la vengeance. À moi la rédemption. Ma Bible dit ça. Tu n'as pas le droit de te venger. Même si tu as l'opportunité, l'occasion de te venger, tu ne dois pas te venger. Amen. Dis-moi amen. Amen. Tu ne dois pas te venger. Pourquoi? Parce que la vengeance appartient à Dieu. Un homme et une femme qui s'est mis à venger, il devait Dieu. Et pourtant tu n'es pas Dieu. Il y a quelqu'un qui veut te venger. C'est pourquoi les faux ennemis, ceux qui font du mal, remettez-les entre les mains du Seigneur. Amen. Afin que le Seigneur puisse te venger. Oh, commandant. Alléluia. Et je vous garantis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu décide de venger, il le fera très bien. Amen. Il le fera très bien. Amen. David a dit à Saoul, pourquoi tu me poursuis? Pourquoi je vais me tuer? Que Dieu soit le juge. Mais moi, je ne ferai rien du tout. Tu es loin de l'éternel. On ne touche pas loin de l'éternel. Tu vas me tuer. Tu me poursuis partout. Je n'ai rien fait. Mais que Dieu nous juge. Yes, yes. Mais faites attention quand tu parles comme ça. Amen. Alléluia. Yes. Que le tribunal du monde te juge. Que lui-même te juge. Et pas que Dieu te juge. Si vous lisez la Bible, vous allez voir comment Saoul est mort. Tu as proclamé son jugement. Amen. Amen. Le premier caractère de l'amour, c'est le pardon. Quand vous voyez quelqu'un qui pardonne, c'est qu'il aime. Alléluia. Amen. Parce que sans l'amour, frère et soeur, tu n'arriveras pas à pardonner. Parce qu'il y a des gens qui vont te blesser. Il y a des gens qui vont t'insulter, qui vont te critiquer, qui vont te haïr, qui vont dire des choses horribles à ton sujet. Sans l'amour de Dieu, tu n'arriveras jamais à parler. Vrai, vrai, vrai. Parfois, ton frère, ta soeur, ton père, ton oncle peut te violer. Bien aimé, il y a certains mal qu'on t'a fait. Alléluia. Amen. Les cicatrices sont visibles. Il faut que Dieu vienne dans ton cœur. Amen. Pas pour ces gens-là. Amen. Sinon, tu reviendras pas. Amen. 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 C'est pourquoi beaucoup de gens, bien aimés, ont des rancunes dans le cœur. Amen. Les cœurs sont pleins de rancunes, pleins de vengeance et pleins de haine. Tu es en train de tuer toi-même. Amen. Il faut pardonner, frères et sœurs. Parce que l'amour et le pardon vont ensemble. La première démonstration de l'amour, c'est le pardon. Même si, frères et sœurs, quelqu'un t'achète des voitures, t'achète des maisons, qu'il soit ton père, ta mère, s'il ne peut pas te pardonner, il t'aime pas. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il t'aime pas. Pour démontrer à quelqu'un que tu l'aimes, c'est craindre le pardon. Et très peu de chrétiens aujourd'hui, les hommes de Dieu fonctionnent dans la haine et les rancunes. J'ai rencontré même un pasteur qui a dit, jamais je ne pourrai pardonner, frère, tu iras à l'enfer. Parce que
Parce que si tu ne peux pas pardonner, n'espérez pas aller au ciel. Les cieux, ce n'est pas un endroit où il y a la rancune. Faites un effort, frère et soeur. Ça dure des années. Oui, on t'a blessé, on t'a trompé. Cet homme-là, tu as cru en lui. Tu pensais vraiment qu'il va te prendre le mariage. Mais il t'a menti, il est parti. Ton cœur est amer. Juste quand tu entends son nom, tu commences à pleurer, tu grinces les dents. Et tous les jours, tu les maudis. Comment tu peux espérer être béni alors que tu as du maudit les gens? Alléluia. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Toi, tu maudis les gens. Et tu demandes à ce que Dieu te bénisse. Frère et soeur, comme je dis dimanche passé, ces gens-là, alléluia, ce sont des escrocs invétérés, ce sont des malfaiteurs, ce sont des voyous, ce sont des violeurs. Dieu les aime. Amen. 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 Bien, mais Dieu les aime. La preuve, regardez ta vie passée. Ce que toi tu fais, c'est la vie passée. Amen. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, aujourd'hui tu ne seras pas sauvé. Mais Dieu a aimé. Il a aimé. Là où tu étais, tu peux mourir. Tu peux mourir. À cause d'une déception, peut-être tu as pris un poisson. Et tu n'as pas compris comment tu vas mourir. Parce que avant que tu sois né, tu es aimé. Même avec ce poisson-là de lui, il ne meurt pas. Je dois le sauver. Il est dans mon plan. Yes, yes. Il ne faut pas te manger. Mais quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres plus. Amen. Et c'est lui qui t'a fait du mal. Toi, tu souffres plus. Il faut pardonner. Parce que le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est le refus de s'évangiler. Vous voulez refuser de s'évangiler. Pourquoi je vous dis ça, bien-aimé? Parce que dans la nature de l'homme, alléluia, le mal qui a été fait doit être répondu par le mal. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. C'est la nature qui est amour. C'est pourquoi, bien aimé, il faut la conversion. Il faut que les gens viennent à Jésus. Sinon, ce n'est pas possible. La nature de l'homme, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est pourquoi, quand tu commences à pardonner selon Dieu, même les gens du monde te voient bizarre. Yes, Dad, come on. Frère, soeur, il t'a fait ça, tu vas pardonner. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'il y a l'amour naturel qui est dans l'homme. Le mal doit être répondu par le mal. Mais vous devez refuser de vous manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les pardons qu'il aimait, c'est l'indulgence que tu accordes à quelqu'un par rapport au mal qu'il a fait. Tu es indulgence. C'est le refus de punir. Yes, yes. C'est ça le mal. Quelqu'un qui a fait du mal, mais tu dis je ne le punis pas. Je ne me venge pas. Amen. C'est ça le mal. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 14 et 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père aussi dans les cieux ne vous pardonnera pas vos offenses. C'est clair. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, leurs péchés n'ont jamais été pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de pardonner aux autres. Alléluia. Amen. Vous donnez votre pardon aux autres, Dieu vous donne son pardon. Dis-moi amen. Amen. Vous donnez votre pardon aux autres. Dieu vous donne son pardon. Amen. Maintenant, si vous vous refusez de donner votre pardon aux autres, pourquoi vous voulez que Dieu vous donne votre pardon? C'est pourquoi beaucoup de vous prier ne sont pas écoutés. Vos intercessions ne sont pas entendues. Vos jeûnes ne montent pas. Parce que vous refusez de pardonner. Et le jour où vous allez pardonner aux autres, Dieu vous pardonnera. Amen. Et vous allez voir quand vous allez commencer à prier, vous priez sur les soucis. Yes. C'est le pardon qui est bon. Beaucoup de frères et sœurs de l'église, ils sont pleins de prisonniers dans leur cœur. Libérez les gens. Amen. Amen. Libérez-le. Laissez-les vivre. Quand ces gens-là vont se convertir un jour, Amen, ils vont comprendre le mal qu'ils t'ont fait. Amen. Et ils te cherchent tellement des paroles. Mais les maudire tous les jours, tous les jours. Frères et sœurs, même nos ennemis, nous devons les pardonner. C'est ça la Bible. C'est pourquoi je dis au départ, vivez votre vie chrétienne, alléluia, amen, selon les standards de la parole. Oui, il souffre. Mais vous voulez comprendre que l'homme sans Dieu est méchant. Amen. Si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, vous allez avoir des conflits partout. Amen.
Regardez les gens qui tiennent les micros, qui prêchent la parole, qui sont pasteurs, qui sont évangélistes, qui sont prophètes, qui sont apôtres. Comment ils sont? Certains. Et le seul, c'est pas tous. Imaginez, tu rencontres un pécheur en combien? Vous attendez qu'il fasse quoi? La Bible dit, Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. L'homme est né avec un mauvais. C'est pourquoi il faut la conversion. Je parlais à quelqu'un la fois passée, dit, toute religion qui ne prône pas la conversion du cœur est diabolique. Il faut la conversion du cœur. On ne peut pas aller vers le Seigneur, attacher le Seigneur, ça c'est convertir à l'intérieur. Pardonnez ces gens-là. Je ne vous dis pas frère, je ne vous dis pas ma soeur, que les personnes t'ont fait du mal. Oui, on t'a fait du mal. Tu dors pas la nuit. Tu as fait des insomnies. Quelqu'un a pillé ton argent, a décidé ton compte. Un homme est venu, il a couché avec toi, il t'a fait un enfant, il s'est barré. J'ai souffert. Laissez-le. Alléluia. Amen. Mais je dis au revoir, cet enfant-là, c'est le président, c'est le ministre. Amen, amen. Je serai content. Mais c'est vrai qu'il est parti, au moins il m'a fait un président. Amen. Laissez-le. Parce que l'homme est méchant. Libère le cœur. Faites un effort. Décroche, pas courage. Pardonne de mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait, je te pardonne. Et vit ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens n'avancent pas. Frères et sœurs, avec la rancune, la vengeance, le manque de pardon, la haine à laquelle tu n'avanceras pas. Amen. Tu verras que tout sera bloqué. Ce ne sont pas des démons. Amen. Ce ne sont pas des démons. Tout sera bloqué. Tu n'avanceras pas. Parce que dans le cœur, tu ne pardonnes pas aux hommes les offenses. Dieu non plus ne te pardonnera pas tes offenses. Alléluia. Amen. 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 Qui n'a jamais péché? Frère, lisez la Bible. Même la femme adultère, yes. Jésus l'a pardonné. Yes. Alors que les gens qui voulaient lapider avaient des bases scripturaires pour dire que non, on doit les jeter une pierre, on doit lapider. Moïse nous a dit. Quand on attrape une femme dans l'adultère, alléluia. Amen. On doit la bénir. C'est pourquoi vraiment il faut l'amour de Dieu. Quand on attrape une femme d'adultère, alléluia, il faut la bénir. Mais quand on attrape un homme, on ne la bénit jamais. C'est pourquoi il faut l'amour. L'amour de Dieu. Quand une femme trompe son mari, alléluia! Amen. Il faut tout de suite le divorce. Mais les gars, quand les maris tombent leur femme, il n'y a pas de divorce. Yes. Amen. Amen. Alors l'homme dit, non, la chair est faible. Amen. Il faut me comprendre. On dirait que je t'ai envoûté. Je t'ai tenté. Et tu vas voir même la famille m'asseoir. Il va pour pardon. Mais quand la femme tombe sur son mari, tu vas voir comment les chevaux s'élèvent. Amen. Elle a tout, elle va partir. Mais pourquoi est-ce qu'on pardonne à l'homme, on ne pardonne pas à la femme? C'est ma frère et soeur. Priez Dieu qu'il vienne dans votre cœur. Il vous donnera son amour. Amen. Il y a certaines choses, il y a certains mal qu'on te fera. Tu vas bien souffrir. L'amour de Dieu va presser ta vie. Alléluia. Amen. Jésus savait que c'était pécheur. Jésus savait que c'était pécheur. Et il a dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Qui jette la première pierre? Ne condamnez pas les gens. Amen. Les gens sont perdus. Les gens sont dans les ténèbres. Et certaines personnes, frères et sœurs, ils ne savent pas ce qu'ils vous font. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis-moi encore amen. Amen. Parce que ces gens-là, bien-aimés, qui vous font du mal, qui vous offensent, s'ils ont la révélation de ce que tu seras demain, ils ne feront pas du mal. Amen. Et parce que ça passe, ils seraient demain. Si ces gens-là savaient qu'en mettant Jésus sur la croix, on est en train de sauver l'humanité, ils ne feront pas ça. Amen. La plupart des gens qui font du mal, alléluia, amen, ils voient votre présent, ils ne voient jamais votre futur. Ils ne savent pas peut-être demain, dans une situation donnée,
c'est toi qui viendras la consoler. Beaucoup des enfants, leurs parents ont abandonné. Aujourd'hui, c'est eux qui aident leurs enfants, leurs parents. Beaucoup des enfants rejetés par leur famille sont devenus les Joseph de leur famille. Beaucoup des enfants frappés, violés par leurs parents, propres parents. Aujourd'hui, c'est eux qui aident leurs parents. Vous imaginez ce père-là, cette mère-là, savait un jour que tu vas l'aider, il ne te fera pas du mal. Parce que souvent les gens sont ignorants. Alléluia. C'est pourquoi le pardon est nécessaire. On acclame le Seigneur. Tant que tu vis sur cette terre, est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu vis sur cette terre, un jour tu seras offensé. On te fera du mal. On va te rejeter. On va te haïr. C'est pourquoi il est important, bien aimé, que l'amour est Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, amen. Ne laissez pas votre chair vous conduire. Luttez contre votre propre chair. Crucifiez la chair. Laissez jamais votre chair vous conduire. Jamais. Que le Saint-Esprit vous dirige. Ne laissez pas votre intelligence non renouvelée vous diriger. Et la plupart des chrétiens, alléluia, amen, sont conduits par la chair. Sont des chrétiens charnels, des chrétiens mondains. Sinon, s'ils sont chrétiens, vrais chrétiens, ils sont bébés spirituels. C'est pourquoi il faut faire ça, il faut grandir dans la foi. Où tu arrives à un certain niveau, on te fait des choses, tu te rentres chez l'homme et tu dors. C'est pour rien. Ne laissez pas votre chair vous conduire. Parce que souvent, la vengeance, alléluia, amen, la haine, le manque de pardon, ce sont des fruits de la chair. Ah, on t'a dit ça. Et tu as laissé comme ça. Il faut l'appeler, il faut le parler. Viens, on va les voir. C'est la chair. Il faut lutter la chair, la chair. Quand la chair commence à te parler, tu parles à ta chair. Mais je vais aller voir parce qu'il m'a critiqué. Mais moi, je vais critiquer les gens. Il faut crucifier la chair. Il faut que votre intelligence soit renouvelée. Si vous avez bien aimé votre ancienne nature, les vieux hommes, alléluia, vous allez vivre sur la chair. Vous allez marcher sur la chair. Et vous allez commencer à agir sur la chair. Et bien, agir sur l'esprit. Vous ne saluez pas des gens. Et des gens à qui tu peux donner ta main. Ma soeur, mon frère, c'est juste une main. Et je ne peux pas dire bonjour. Tu ne peux pas les voir. Tu ne veux pas les voir. Et tu espères un jour aller au ciel. Si Jésus revient aujourd'hui et enlève l'église, tu ne seras jamais enlevé. Et les gens ne pensent même pas à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, tu peux rentrer ce soir, tu dois à la maison dormir. Et rien n'est garanti que demain tu seras debout. Rien n'est garanti. La vie ne vous appartient pas. Ecclésiaste 8:8. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Votre vie ne vous appartient pas. Soyez humble. Soyez humble, frère. Soyez très humble dans la vie. Soyez humble. Vendredi, j'étais à l'enterrement. C'est vendredi là, il y a deux jours, j'ai vu des gens pleurer. Et je dis, mais les gens ne savent pas ce qu'ils font. Quel jour le tout viendra? Et je ne verrai pas ici, tout soit passé par ce tout là. Alléluia. Et j'écoutais un pasteur en péché, je ne sais pas si c'est un pasteur, c'est un frère. Et il parle aux morts, il dit, Seigneur, les jours où tu reviendras, souviens-toi de lui. J'ai senti mon cœur briser. Je dis, mais quand il était vivant, si lui se souvenait pas de Dieu, et ces jours-là, Dieu se souvenait de lui. C'est pourquoi, quand même, votre vie, frère et soeur, souvenez-vous de Dieu. Parce que le jour où tu meurs, c'est terminé. Je dis, on ment aux gens. Est-ce qu'il était vivant sur la terre? Est-ce que cet homme-là s'est souvenu de Dieu? Est-ce
est-il aimé ce Seigneur? Est-ce qu'il marcherait avec le Seigneur? Ou aimait la vie du monde? Il aimait ce voiture, il aimait les femmes. Maintenant, quand il est mort, le jour où Jésus viendra, Jésus va se souvenir de lui. Est-ce que lui, quand il était vivant, il se souvient de Jésus? Ah, et les gens pleurent. Maintenant, frères et sœurs, convertissez-vous. Donnez votre vie au Seigneur. Il va planter son amour dans votre cœur. Vous voyez les choses, les gens après vont commencer à vous dire. Ça vous fera plus de mal. Parce que le Seigneur a pas son amour dans votre cœur. Il va circonciser votre cœur. À un certain niveau d'amour de Dieu, les critiques ne te feront plus rien. Les mépris des hommes, la mèche ne te fait plus rien. En fait, lorsque l'amour de Dieu vient dans ton cœur, on dit tu vaccines ton cœur. Yes. Ça ne fait plus rien. Alors pardonnez, c'est la face. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque. Les femmes ne pardonnent pas leur mari. Le mari ne pardonne pas leur femme. Les parents ne pardonnent pas leurs enfants. Les hommes ne pardonnent pas. Même entre frères et sœurs dans l'église. Frères, pardonnons-nous. Nous sommes des humains. On peut faire des erreurs. Amen. On n'est pas parfait. Même si nous tendons à la perfection. Alléluia. Amen. Le pardon. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il faute. Une offense. Mais il faut aussi qu'il y ait une annulation. Parce qu'il y a des gens qui constatent la faute, qui constatent l'offense, mais qui n'annulent pas l'offense. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effacement des mauvais sentiments de cœur. Parce qu'il y a des gens qui ne se vengent pas, alléluia, mais qui haïssent. Ils ne se vengent pas, mais ils les haïssent. Et nous allons voir ça tout à l'heure. La haine, bien aimé, la haine. 1 Jean 3, versets 4 à 5. La Bible dit, c'est lui qui a la haine pour son frère. Il est meurtrier. En fait, haïr quelqu'un, c'est comme souhaiter sa mort. C'est ça la haine. Sous aucun prétexte, frère, sous aucun prétexte, vous ne devez pas haïr les gens. Il va haïr les gens. Sous aucun prétexte. Ah oui, mais pasteur, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait. Oui, justement, je sais pas. Mais tu dois pas y aller. Il n'y a aucun mal fait, pasteur, qu'on peut te faire, qu'on a fait à Jésus. Il n'y a aucun. Oh, merci Seigneur. C'est toi qui m'as souffert. C'est le mot d'être bien-aimé et imparable de la vie sur la terre, Jésus. C'est le leadership le plus précieux, Jésus. Yes, come on. Amen. Alléluia. Amen. Même ses propres disciples l'ont fui, l'ont abandonné. Ses propres disciples. Il n'y a pas plus méchant, c'est bien aimé. Quand il a des souffrances, tes amis t'abandonnent. Et lui, ses propres disciples l'ont abandonné. Ses propres frères l'ont fui, l'ont abandonné. C'est pour les dieux. C'est pour les dieux. On l'a frappé. On l'a humilié, bien-aimé. À un niveau incroyable. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, verset 5. Il n'a même pas regardé un égal avec Dieu. Parce qu'en lui, c'est tout. Toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu, Jésus. Parce que vous marchez sur les eaux, vous êtes Dieu. Alléluia. Amen. On l'a frappé, on l'a humilié. Bien aimé, on l'a humilié. Vous voyez, dans nos dessins, on voit Jésus. Il était nu sur la voie. C'est pourquoi le soleil s'est caché. Même la nature ne veut nous respecter. Il était nu sur la voie. Fils était nu sur la voie. Quand le soleil a vu, c'est là. Le soleil s'est caché en pleine journée. Parce que les frères soleils mouraient sous la terre. Amen. Alléluia. On ne l'a pas donné à manger pendant 3 jours, 4 jours.
et on l'a frappé. Pas avec les bottes de fruits. Ni à boire. Et quand elle a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Tout cela parce qu'il a aimé. Il a aimé son père. Amen. Il a aimé les hommes. Amen. Pourquoi tu m'as abandonné? Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et sa dernière prière, toi qui ne veux pas pardonner, qui sont dans les rancunes. Mais cette personne-là, amen, amen. Il a tué personne. Et le problème par lequel vous ne parlez pas, ça dit 20 ans, 10 ans. Oublie. Ça aussi, c'est notre dimension du pardon. Et tu peux aller dans cette dimension. Tu peux aller dans cette dimension. Quelqu'un m'a fait du mal, oublie. Oui, tu peux oublier. Parce que quand tu pardonnes, il oublie. Alors lui, il est Dieu, mais toi, tu es Dieu. Dieu ne nous demande pas des choses qu'on ne peut pas faire. Si Dieu nous demande de faire des choses parce qu'il sait qu'on peut le faire. C'est un problème de spiritualité, frère. Des dimensions spirituelles. Ou quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Et Jésus a pardonné. Sa dernière prière, il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et il est mort. Son propre disciple. Son propre disciple, les renie. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas pire. Que quelqu'un puisse renier. Oui, c'est vrai que ton père t'a renié. Ta mère t'a renié. Pardonne-le. Pardonne-le. Jésus, on l'a renié. Pierre l'a renié. Alléluia. Amen. Mais quand il est ressuscité, la première personne qui a cherché ses pieds. Il est des pieds. Amen. Ce qui fait que tu n'avances pas. Ta vie est bloquée. Tu vis jour pour jour dans la défaite. Parce que tu n'aimes pas pardonner. Parce que tu ne veux pas pardonner. Tu te détruis toi-même. Tu vas souffrir plus que la personne qui t'a fait du mal. Amen. Je te pardonne pas. Pour lui pardonner, il faut avoir la force, le courage. Alléluia. Et pardonne à ces gens-là. Allez les voir. Libère-toi, mon frère, ma soeur. Il y a des potentiels. Il y a des grâces sur ta vie. Tu peux t'amener loin. Ce qui te bloque, c'est ce qui est dans ton cœur. Ce qui te bloque. Mais si cet après-midi ou ce soir, tu prends la décision, bien-aimé. Alléluia. Amen. De pardonner. C'est une maladie que nous avons. C'est à cause du manque de pardon. C'est à cause du manque de pardon. Vous allez voir. Parce que le pardon, c'est un fardeau. Alléluia. Amen. Si tu pardonnes, on dirait un fardeau qui te quitte. Amen. Le pardon, c'est un fardeau. On dirait dans ton cœur, tu portes un fardeau. Tu vas voir, ta vie va tourner autour de ce qu'on t'a fait. Tu vas commencer même à rejeter l'ange que Dieu t'envoie. Tu peux envoyer une bonne personne vers toi. Tu vas commencer à dire, non, 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 ils sont toujours comme ça, non, je ne vais pas. Après des problèmes. Alors que ça, c'est l'ange de Dieu qui t'envoie. Dieu t'envoie. Parce que tu tournes autour des bras. Il y a des femmes qui refusent aujourd'hui de se marier. Parce qu'un homme l'a déçu. Maintenant, Dieu va t'envoyer l'homme de ta vie qui va réussir. Parce que tu tournes autour du manque de pardon. C'est pourquoi le diable se saisit ce manque de pardon. Pour bloquer ta vie. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Allez à ce niveau-là, frères et sœurs. Allez cette dimension-là. Et vous vengez point. Même si ça va l'occasion. Joseph avait l'occasion de s'évanger. Il avait l'occasion d'évanger. Ne vous dites pas. Ça, je pardonne. Mais pas ça. Pardonne.
n'attends pas les gens au tournant. Un jour, il va voir. C'est pas bon. Un enfant de Dieu fonctionne comme ça. Ce qui m'a fait, je l'attends au tournant. Un jour, je m'évangile. C'est pas le seul qui parle, c'est ma chair qui parle. Il faut pardonner aux gens. On nous fera toujours du mal. Pas que nous sommes sur la terre. Amen. Les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Il faut la dimension de pardonner aux gens. Et Joseph avait l'occasion de s'évanger. L'occasion d'évanger. Quand il a reconnu ses faits, il était gouverneur en Égypte. Il pouvait les mettre tous en prison, sans jugement, et pour l'éternité. Et l'amour dans son cœur. Elle dit, c'est vrai qu'ils m'ont vendu, mais ce sont mes frères. Et quand vous écoutez sa parole, il a dit à ses frères, je ne vous fais pas du mal, je crains Dieu. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dans votre cœur, vous devez avoir la crainte de Dieu. Amen. Il y a certaines choses, vous ne faites pas ça parce que vous craignez Dieu. Je suis fatigué à ses frères, je ne fais aucun mal, je crains Dieu. Quand il s'est présenté à ses frères, parce qu'au départ, ses frères n'ont pas reconnu, il dit, je suis Joseph que vous avez vendu. Ses frères disent, oh là là, c'est fini, on va à la prison. La personne qu'on a vendue, il est gouverneur ici. On va à la prison. Les amis, ne vous ferez pas du mal, je crains Dieu. Il a refusé ses vengeances, alors qu'il avait une occasion en or de ses refusez de venger. Amen. Laissez Dieu faire. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Le problème, c'est toi, tu veux faire. Mais quand toi, tu veux faire et tu veux faire, Dieu te laissera faire. Mais quand tu refuses de faire, tu lui-même vas faire. Amen. C'est ça le notre problème. Nous voulons faire et nous voulons aussi que Dieu puisse faire. Laissez Dieu faire. Amen. Parce que Dieu ne fait pas avec toi. Ne prenez pas la place de Dieu. Prends ta place, reste à ta place. Laissez Dieu faire. Alléluia. Et beaucoup de gens, c'est pourquoi ils ne sont pas bénis. Des années à l'église, ils n'avancent pas. Ils tournent en rond, ils ne prospèrent pas. Parce que dans leur cœur, ils ont la vengeance, la rancune, les manque de pardon. David, à trois reprises, il avait l'occasion de tuer ça. Saoul dormait. Ses amis l'ont poussé. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention à vos amis. Hein. Amen. 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 Écoutez votre cœur. Amen. Ma soeur, il t'a fait ça. Mon frère, il t'a fait ça. Et puis tu lui parles. Il a des problèmes, fais l'aider. Laisse-le. Non. Il faut vivre comme Dieu vit. Saoul dormait. Ses amis ont dit à David, David. Aujourd'hui, tu livres entre tes mains Saoul. Tue-le. Attention aux amis. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont briser ta destinée. Il y a des amis qui sont des facilitateurs de destinée. Il y a des amis qui sont des destructeurs de destinée. Amen. En fait, quand tu dis fais ça, fais ça, fais ça, il t'envoie au mal. Parce que quand tu fais le mal, celui qui va payer le mal, c'est toi. Amen. C'est pas lui. Mais David a dit non, on les laisse. Qu'il va dans un champ de bataille et qu'il meure là-bas. On ne touche pas à loin de Dieu. Amen. Saoul dormait. Ce sommeil-là, bien-aimé, il y a que Dieu qui veut donner ce sommeil-là. Et ses gardes du corps, et ses soldats tous dormaient. Mais un sommeil profond. David a refusé de s'évanger. Il est venu avec une paire de ciseaux. Il a coupé le bas de son manteau. Et il est sorti. Il a dit à ses gars, sortons, laissez-le. Ah, il faut le tuer. Non, laissez-le. Ne vous vengez pas, frère. Ne vous vengez pas. Tu n'es pas le seul dans ce monde qu'on a fait du mal. Amen. Alléluia. Amen. Et le mal qu'on t'a fait là n'est pas pire qu'on a fait aux autres. Amen. Ne vous vengez pas. Salomon disait, rien de nouveau sur le soleil. En fait, ce qu'on t'a fait n'est pas nouveau. Si tu prends les archives,
tu te regardes de faire ta enfant. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Quelqu'un me dit amen. Il y a rien de nouveau. Toi, tu penses que ce qu'on t'a fait là, on dirait qu'on a fait ça à toi la première. Non. Si tu vois les archives, même au 17e siècle, il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on t'a fait. Et c'est tombé. Ne vous mangez pas. Quand on ne cherche pas à te tuer, David, on cherche à les tuer. Alors qu'il avait l'onction royale sur lui. Amen. Amen. Donc David tuait Saoul. Demain, c'est les lois. Mais là, laissez l'éternel Dieu. Amen. Laissez Dieu. Alléluia. Amen. Laissez Dieu. Ses voix sont insondables. Ses voix sont impénétrables. Tu sais pas, David pouvait tuer Saoul parce qu'il avait déjà l'onction royale. Dieu l'a déjà établi roi. Donc il tuait Saoul, demain c'est les noirs. Amen. Mais il a dit non, on va laisser les temps. On va laisser les temps. Alors que ce Samuel est poussé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'évanger. Oui, ta belle fille, ton beau-fils, ta belle mère, ton beau-père, tu as fait ça, laissez tomber. Rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tu rencontres d'autres belles filles. On les a fait comme ça par leur belle-mère. Tu n'es pas la première. Et tu ne seras pas la dernière. Il faut pardonner. Tu ne pourras pas être heureux dans la vie. Jamais tu seras heureux, ma soeur. Le manque de pardon t'enlève de bonheur. Si tu ne pardonnes pas. Et David a refusé. Il avait l'occasion alors. Il dit, on ne touche pas. On laisse en vie. Il a coupé les pans de son manteau. Quand il est sorti de la caverne, il a appelé Saoul, Saoul, Saoul. Regarde, où est ta cruche? Il a volé sa cruche. Et bien, regarde ta cruche. Tu dormais. Je pouvais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu soit les juges. Sauter des vengeances avec ses frères-là, alléluia. Amen. Ton ancien copain, ton ancien copine, ton ancien mari, ton ex ou des ex, laissez tomber. Amen. Est-ce que tu es mort? Non. Et d'ailleurs, vous savez, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Amen. Parfois, ces copains-là que tu pleures là, qui t'a fait sa copine-là, parfois, c'est Dieu qui l'a chassé. Amen. Loin de toi. Amen. Parce qu'il a besoin de toi. Et travers de toi. Amen. Une certaine personne, Dieu les chasse pour ça. Vous qui ont des mauvais amis. Alléluia. Amen. Écoutez ce matin. Si vous ne les chassez pas, Dieu ne les va les chasser. Amen. Dis-moi amen. Amen. Vous qui êtes des mauvais copains, des mauvais amis, des mauvais camarades, si vous ne prenez pas la décision de les chasser, Dieu vient de les chasser. Amen. Parce que Dieu sait, il y a un endroit où tu dois t'amener. Ou sinon, tu as cet homme-là à côté de toi. Cette femme-là, tu ne pourras pas mener là. Si tu tardes, tu lui viendras chasser tes enfants. Je vous dis la vérité. Dieu viendra. Alléluia. Scrivez-vous ce matin. Il viendra autour de cet ami-là que tu aimes là. Il va créer un conflit. Amen. Parce que Dieu a besoin de toi. Il a déposé des potentiels en toi, des grâces dans ta vie. Mais cet ami-là, viens voir au bois des nuits, viens voir coucher avec les hommes, avec les femmes. Dieu créera un conflit. Amen, amen, amen. Mais un conflit qui fera que vous allez vraiment vous séparer. Wow. Comme ça, Dieu se dit, bon, maintenant je l'aime libre. Amen. Je vais l'utiliser maintenant. Amen. Je vais agir dans sa direction. Amen. 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 C'est pourquoi les pardons aujourd'hui est prioritaire. Les églises n'avancent pas. Les gens n'avancent pas. Ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Il faut aller pardonner. Amen. Alléluia. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Et le pardon n'est pas simplement verbal. Alléluia. Amen. Le pardon doit être aussi dans les actions. Parce que quelqu'un peut te pardonner avec ses lèvres, mais pas avec son cœur. Et beaucoup qui pardonnent avec les lèvres. Ah, ma soeur, je t'ai pardonné. Ma soeur, je t'ai pardonné. Ma soeur, je t'ai pardonné. Frère, je t'ai pardonné. Mais quand il regarde ses actions, tu comprends qu'il ne t'a jamais pardonné. Amen. Ne pardonnez pas par hypocrisie. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas encore pardonner aujourd'hui,
Je te préfère que tu ne pardonnes pas aujourd'hui. Mais quand même, tu vas pardonner, tu pardonnes totalement. Amen. Ne fais pas un faux pardon. Ne fais jamais un faux pardon. Tout le temps, ils vont pardonner. À chaque fois, ils vont pardonner. Je sais dire, on est ici. Si quelqu'un pêche contre toi sept fois dans la journée, tu le pardonnais sept fois. Il faut comprendre la Bible. Parce que beaucoup de chrétiens disent, mais pasteur, je pêche huit fois. Je vous le dis simplement, sans limite. Parce que non, la Bible a dit sept fois. Moi, il m'a fait du mal neuf fois, je ne pardonne pas. La Bible a dit sept fois. C'est juste, je voulais dire, sans limite. Il n'y a pas des choses qu'on pardonne, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Non, on doit tout pardonner. Ah, s'il m'a insulté, là je pardonne. Ah, il m'a critiqué, là je ne pardonne pas. Ça, je ne pardonne pas. Je dois tout pardonner. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent que le dimanche. Alléluia. Amen. Ah oui, mais je dis, il y a des chrétiens parce qu'ils vont venir à l'église pour enlever dans son cœur les sentiments de culpabilité. Amen. Amen. Et puis il t'appelle. Moi je vais à l'église. Et puis il faut voir comment, avec quel langage, avec quel ton. Pardonne-moi. Je te pardonne. Il va à l'église. Il y a des chrétiens qui pardonnent que le jour où il doit manger à Sainte-Seine. Il y a des chrétiens qui pardonnent que parce qu'il doit venir à l'église venir chanter. Et encore, il y en a qui prêchent la parole, qui chantent, qui dansent avec la rancune dans le cœur. Amen. Mais il y a trop de cinéma dans les églises. Amen. C'est pourquoi je bénis Dieu. Quand vous vous regardez à l'apparence, lui regarde le cœur. Amen. Vous voyez la personne chanter, danser. Mais dans son cœur, plein de rancune. Vous devez pardonner chaque fois, tout le temps. Alléluia. Amen. Vous, frère, ma soeur, vous bloquez vos bénédictions. Vous bloquez vos bénédictions. Pardonnez tout le temps. Pardonnez tout le temps. Oui, le pardon n'est pas facile. Mais le pardon est possible. Mais c'est possible. C'est pas parce que quelque chose est difficile, il est impossible. Oh, alléluia. Oui, mais le pardon n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde pardonnait. Alléluia, come on. Pourquoi il y a des gens qui dans sa vie, il a 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes, 15 personnes à qui il ne pardonne pas. À celle-là, je ne parle pas. Hey, ton frère là-bas, moi là-bas, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas facile. Mais me vous pardonnez tous les jours. Alléluia. Amen. Même dans la journée, 7 fois, tu dois pardonner. Il y a des versets qui disent 77 fois, 7 fois. Jésus voulait simplement dire que votre pardon envers les gens soit sans limite. Pardonnez ton temps. Mais quand vous pardonnez, vous ne faites pas que du bien à l'offenseur. Vous ne faites pas que du bien à la personne qui vous offense. Vous faites vous-même du bien. Amen. Mais le jour où il va pardonner, tu vas voir, on dirait un poids qui te quitte. Tu vas sentir que tu es à l'aise. Oui, quand tu ne pardonnes pas, frère et soeur, alléluia. Amen. Ne priez pas. Ton ciel est fermé. Et d'ailleurs, si tu te remarques bien, si tu es sincère, honnête, depuis que tu ne pardonnes pas, ta vie de prière a changé. C'est le dégoût de prier. Parce que, bien aimé, la Bible dit, si ton cœur te condamne, c'est que Dieu aussi te condamne. Comment tu fais de prier, bien aimé, en paix, alors que tu sais que tu ne pardonnes pas à quelqu'un et Dieu est contre le marque de pardon. Alléluia. Pardonne tout le temps. Alors comment on doit pardonner? Il n'y a pas de faute qu'on pardonne. Il n'y a pas de faute qu'on ne pardonne pas. Toutes les fautes, toutes les offenses, toutes les blessures sont pardonnables. Parce que si vous ne pardonnez pas, bien aimé, à vos frères et soeurs, à ceux qui vous font du mal, Dieu aussi ne vous pardonne pas. Lui, le pardon est difficile. C'est pourquoi quand Jésus a dit à ses disciples qu'il faut pardonner tout le temps, ils ont dit, bon, moi, tout le monde. C'était sincère. Parce qu'ils ont dit, Seigneur, quelqu'un me fait du mal à midi, je pardonne. Il fait à 13h, je pardonne. Il fait à la gorge, je pardonne. Alors il faut augmenter la foi. Parce que c'est pas facile. On acclame le Seigneur.
image. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner. C'est pourquoi quand les gens veulent se voir, parce qu'ils veulent se réconcilier, si on ne fait pas attention, les problèmes s'enveniment encore. Alléluia. Amen. Et j'assistais à ça à plusieurs reprises. Toi, ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait. Mais bien aimé, il vient te demander pardon parce qu'il sait que tu as fait du mal. Mais si tu le rappelles encore le mal qu'il t'a fait. Yes. Toi-même, tu réveilles tes propres blessures. C'est pas comme ça qu'on parle, frère. Ne rappelez pas aux gens les mal qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait est fait. Ce qui est fait est fait. Amen. Mais quand il vient te voir, ou tu vas parler avec quelqu'un, ne nous rappelle pas ce qu'il a fait. C'est pas une bonne façon de pardonner. Amen. Amen. Et souvent nous sommes comme ça. Ma soeur et mon frère, quand toi tu pries Dieu, quand tu vas dire le pardon, il ne te rappelle pas ce que tu as fait. Tu ne te rappelles pas. Il te pardonne. Pourquoi toi, quand quelqu'un vient te voir pour lui demander pardon, ou quand tu dois parler à quelqu'un, il faut que tu le rappelles. Tu sais, il a fait passer, il y a 2 ans. Et surtout, c'est beaucoup plus à des couples. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a des femmes qui n'oublient pas. Tu as pris son chèque il y a 10 ans, il y a 4 ans. Tu as prêté l'argent, tu l'as pas remis. 15 ans après, tu sais, mais chérie, donne-moi 1500 si je rembourse. Hey, il y a 15 ans, tu n'as jamais remboursé mon argent. Il n'oublie pas. Ne rappelle pas ce qui est passé est passé. Mais on ne peut pas construire le futur en se basant tout sur le passé. Passer sur le présent pour construire le futur. Quelqu'un me dit amen. On ne construit pas le futur, toujours le passé. Tu sais ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait, tu m'as trompé. Mais en attendant, ce frère-là qui t'a trompé, ton mari là qui est trompé, en attendant, il s'est converti. Donc sa vie passée est passée. Même Dieu qui l'a créé a oublié sa vie. Amen. Toi, tu vis simplement avec une soeur, mais tu n'es pas tranquille. Mais pourquoi tu es comme ça? Moi, je te connais. Tu es une nouvelle créature. Là, les choses anciennes sont passées. Mais tu es toujours ce truc-là. Il y a 20 ans, non, je te connais. Toi, avec les femmes, je te connais. Tu connais quoi, cette soeur-là? Je te connais. Mais non, c'est une nouvelle créature. Et tu me rappelles toujours le passé. Et vous savez, bien aimé, je vous dis, c'est quelque chose d'être véridique. Dans la psychologie humaine, toute chose que vous rappelez à quelqu'un, il finit par le faire. Amen. Ne rappelez pas aux gens. Toute chose, même vos enfants, ne rappelez pas toujours. Chaque fois que vous rappelez à quelqu'un une chose, bien aimé, son cerveau enregistre, il finit par le faire. C'est pourquoi si tu veux sincèrement pardonner, vous pardonnez. Et puis je vais insister à un premier ennemi. Vous savez, notre problème, c'est quoi? Nous, c'est-à-dire, lisez la Bible. Alléluia. Lisez la Bible. La Bible ne nous demande pas que les gens viennent demander pardon. La Bible nous demande de pardonner. Mais souvent, nous voulons que les gens viennent nous voir. Par fierté, par orgueil, d'une façon charnelle en plus. Comme ça, tu te vois important. La Bible ne demande pas, bien-aimé. Quand Jésus a dit, lisez votre Bible. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-le. Qui ne demande pas? Personne. Personne ne demande pas. Quand Dieu nous a pardonné, qui a demandé pardon? Personne. Mais toi, tu souffres avec la rancune, avec la colère. Tu l'attends un jour, j'attends. Tu peux attendre. Et lui aussi en face, c'est ce que tu attends. Il ne viendra pas. Et qui souffre, c'est toi. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Souvent les chrétiens sont comme ça. Affaire, mais pourquoi tu as pardonné? Ah, il m'a jamais demandé pardon. On ne dit pas pardonner quand on demande pardon. Même sans la demande de pardon, tu peux pardonner à quelqu'un. Tu peux être chez toi à la maison. Tu dis, Seigneur, c'est frère là, cette soeur-là, je le pardonne. Je le pardonne. Tu comprends que c'est moi qui souffre. C'est pourquoi demain tu les vois au supermarché. Ah, frère, comment ça va? Lui-même s'étonne que tu es gentil. Que tu es ouvert avec lui, que tu souris. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, chez toi, tu l'as pardonné. Le pardon n'est pas simplement verbal. Le pardon aussi, c'est dans l'action. Alléluia. Amen. Une façon de pardonner, n'attendez pas les excuses. Alléluia. Amen. N'attendez pas les excuses.
Ah, il est venu me voir. Même pas s'excuser. Bien-aimé, ne prenez pas la place de Dieu. C'est une personne qu'on doit demander pardon pour pardonner, c'est Dieu. Parce que Dieu, pour que tu pardonnes, il faut que tu demandes pardon. Et toi, tu n'es pas Dieu. La seule personne qui doit pardonner, avant de pardonner, il faut qu'on demande pardon, c'est Dieu. Mais toi, tu n'as pas besoin de demander pardon pour ne pas pardonner. Les gens s'attendent à des excuses. Oh, il est venu me voir, il ne sait même pas s'excuser. Parce que tu attends les excuses pour pardonner. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont à l'église, sont des chrétiens terre à terre. Le cœur est vide de la parole de Dieu. Je vois les excuses. Mettez-vous à la place des autres. On va voir cela. Mais la facilité de pardonner, il faut se mettre à la place des autres. Amen. Tu te mets à la place des autres. Tu vas te dire non. Moi, à sa place, je ferai même pire que nous. Ça va t'aider à pardonner. Yes. Alléluia. Les chrétiens charnels, mondains, bébés spirituels, ce sont eux qui n'arrivent pas à pardonner. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un te pardonner, c'est qu'il est foncièrement spirituel. Sans Jésus dans ton cœur, tu ne pourras pas pardonner. Parce que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est d'abord l'esprit d'amour. Dans les fruits de l'esprit, le premier fruit, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un me demande pardon, il n'a jamais changé. Mais toi, tu ne changes pas les gens. Oh, il n'a jamais changé. Mais il vient de demander pardon. La raison, son pardon. Pourquoi tu veux qu'il change avant? Bien-aimés, alléluia. C'est les problèmes des gens aujourd'hui. Nous n'avons aucune puissance d'échanger quelqu'un. S'il y a un problème avec quelqu'un, remettez-lui entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, tu peux frapper quelqu'un, l'insulter, le condamner. Tu ne pourras jamais changer le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui change le cœur de quelqu'un. Pourquoi vous attendez à ce que les gens changent pour venir demander pardon? Quand toi tu étais païen, alléluia, amen, tu étais un pécheur, un escroc, un voleur, un volteur. Est-ce que tu as demandé pardon à toi? Les jours qu'il a appelé, tu as répondu sur la paix, il t'a pardonné. Il faut pardonner aux gens. Refusez de vous venger. Faites cet effort-là. Alléluia. Amen. Et tu mèneras une belle vie. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, les chrétiens ne mènent pas, ne reçoivent pas les meilleurs des dieux pour leur vie. Il y a des choses meilleures que tu les as réservées. Ils ne vivent pas ces choses-là à cause du manque de pardon. La rancune. Amen. Amen. Et le problème, c'est ça votre problème. Vous dites amen. C'est le problème. Mais quand vous êtes sorti, prenez courage. Et si tu mourrais aujourd'hui? Et mais c'est dangereux d'écouter la parole, et tu dis amen, mais pas mettre en pratique, c'est dangereux. Ne foulez pas au pied la parole de Dieu. Allez appliquer la parole. Alléluia. Amen. Oui, ce monsieur est parti. Laisse-le partir. Je ne sais même pas si Dieu t'a envie de sauver. Mais ne venez pas à l'église de dire amen, Et vous sortez ici. Bonjour, sœur. Je regarde de côté. Et à l'église. Après le culte, tu es en train de faire des calculs diaboliques. Bon, il est derrière là-bas. Si je passe là-bas, je me dis bonjour, j'attends qu'il soit là-bas. Et puis je commence à se lever. Elle soit à toi, tu sors. Et puis tu vas écouter la parole et tu as dit amen. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi aller au ciel n'est pas donné à tout le monde. Et même tout le monde n'ira pas au ciel. Lisez la Bible. Et là, je vais l'aimer et le chemin qui amène à la perdition. Là, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, le chemin qui amène à la perdition, c'est un chemin qui est large. Et un chemin qui est spacieux. Là où c'est large, il y a beaucoup de monde. Mais le chemin qui amène au ciel, la Bible dit, c'est un chemin étroit et resserré. La Bible dit, peu de gens y entrent. C'est grave aujourd'hui, l'incrédulité. L'incrédulité. Où tu écoutes la parole, tu sais que c'est vrai. Ça touche ton cœur. Mais
ta fierté. La fierté amène les gens en enfer. Alléluia. Ta fierté. Moi, le pardonné. S'il attend que moi, il va attendre longtemps. Toi aussi, tu vas attendre longtemps la grâce de Dieu. Amen. À un moment donné, il faut se dépouiller de son moi. Amen. Il faut se dépouiller de sa fierté. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, tu te laisses, tu laisses qu'on te méprise. Amen. Tu laisses qu'on t'humilie. Parce que le maître lui a fait ça. Amen. Si ton serviteur, sa servante, laissez-toi humilier. Et tu vas te guérir. C'est pourquoi l'orgueil est diabolique. C'est la pire sémence du diable. C'est l'orgueil. C'est pas les vols. Au ciel, Lucifer n'a pas volé. C'est son orgueil. Abaissez-vous. Alléluia. Soyez modeste. Dites amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Soyez modeste, soyez simple. Dites-toi dans ton esprit, je suis un homme comme tout le monde. Si lui a fait des erreurs, moi aussi un jour je vais faire des erreurs. Je laisse tomber, je pars. Tu embrasses ta soeur, tu embrasses ton frère, et le diable va pleurer. Parce que le diable aime là où il est conflit. Le diable aime là où il y a la mésentente, la vengeance. Il aime ces endroits-là. Dans un couple, dans un foyer où les gens ne s'entendent pas, dans une famille. Même frère, même soeur, descend. Ils ne se parlaient pas. Le diable aime ces endroits-là. C'est son nid. C'est là où il pose ses œufs. Et là où il y a la joie, là où il y a l'amour, là où il y a la paix, alléluia, le diable n'aime pas. Parce qu'il ne peut pas prospérer là où il y a l'amour. Le diable ne peut pas prospérer là où il y a la paix, il ne peut pas prospérer. Il prospère là où il y a le conflit, la mésentente, l'orgueil, l'incrédulité et les manques de pardon. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Je parle de la Bible. L'importance du pardon. Pourquoi c'est important de pardonner? Pourquoi c'est important? 1 Jean 3, les versets 4 à 5. Premier épître des Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Je lis au nom de Jésus. 1 Jean 3, 15 à 16. 14 à 15. 14 à 15, excusez-moi. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Amen. Mais écoutez ce que la Bible déclare. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas Christ, donc qui n'a pas l'amour de Dieu, Dieu le considère comme mort. Amen. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Quiconque qui n'a pas le Christ est mort. Mais quand tu reçois le Christ, tu passes de la mort à la vie. Si nous aimons les frères, si nous aimons les frères, alléluia. Amen. Mais si nous aimons aussi les sœurs, nous connaissons que nous sommes en lui. Et quiconque, que ce soit homme, femme, qui haït son frère, c'est un meurtrier. Alléluia. Amen. Et aucun meurtrier n'a héritage dans le royaume de Dieu. Pourquoi c'est important de pardonner? Parce que le pardon te libère de la haine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon te libère de la haine. Parce que personne sur la terre ne sera béni lorsqu'il y a de la haine dans son cœur. En fait, la Bible est très simple à me dire dans ces versets. Si tu es quelqu'un qui agit quelqu'un, qui déteste quelqu'un, tu es un assassin. Alléluia. Amen. Les églises sont pleines de criminels. Les criminels se
c'est pas simplement bien-aimés, ceux qui tuent les gens, ceux qui ont des revolvers, des fusils, qui tuent les gens. Quand tu ne pardonnes pas et la haine à ton cœur, tu es un criminel. Maintenant, comment Dieu veut te bénir? Comment penser se mettre à genoux, jeûner, jeûner d'Esther, jeûner de Moïse, jeûner de Daniel, avec la haine, tu es un criminel. Comment tu penses que Dieu te prier? Tu n'es jamais le contraire de prier. Tu feras comme tu veux. Et si tu es sans elle avec moi ce matin, tu remarqueras beaucoup de prières échouent. Chaque fois quand tu pries, les contraires, ceux qui demandent, arrivent. Parce que Dieu te considère comme merdouillé. Pourquoi? Parce que tu as la haine contre ton frère. Alléluia. Amen. Amen. Ma soeur, regardez-moi. Enfin, comment tu peux haïr la créature de Dieu? Comment tu peux haïr quelqu'un que tu as créé? Comment tu peux haïr? C'est pas toi qui l'as créé, c'est Dieu qui l'a créé. Et cette personne que Dieu a créé, il est dans les mensonges, il est dans les vols, dans la tricherie, dans la fornication. Même dans cet état de péché, c'est lui qui l'a créé, continue à l'aimer, qui te donne les droits de l'haïr. Qui te donne l'haïr? Parce que haïr quelqu'un, c'est souhaiter sa mort. Alléluia. Amen. Vous voyez, jusqu'à ce au niveau où vous êtes, vous commencez à souhaiter que quelqu'un meure. Alléluia. Amen. Ce frère-là, cette soeur-là, il a ses enfants, il a son mari, il a sa mère, il a son père, il a sa famille. Mais toi, tu souhaites qu'il meure. Alors si cette personne mourait, sa famille sera triste, ses enfants seront orphelins, son mari sera veuf, sa femme sera veuve, c'est pas... Mais toi, tu souhaites que cette personne meure à cause de la haine dans ton cœur. C'est dangereux. Comment peut-être t'attendre? Tu te mets à genoux et tu as de prier. Arrête de prier. La Bible dit, alléluia. Marc 11, 25 à 26. Si tu es debout dans la prière, et que tu aies un problème contre ton frère, arrête de prier. C'est pourquoi j'ai compris la puissance du pardon. J'ai compris l'importance du pardon. Mais quand tu arrives à ce niveau, elle te dit non, arrête à prier, va demander pardon. C'est que le pardon est important. Amen. C'est que le pardon est important. Tu as de parler au Créateur du Seigneur. Tu es testé, tu pries. Mais si tu as dit arrête à prier, va demander pardon. Mais c'est que le pardon est important. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas. Amen. Ils n'arrêtent pas de prier. Ils continuent à prier. Au Seigneur, demande-moi. Protège ma famille. Protège mon frère. Garde mon frère. Seigneur, je chasse les démons. Alors que lui, il a dit, si tu as de la haine, arrête-toi de prier, va demander pardon. Mais qu'est-ce qu'il faut le contraire? Alléluia. Amen. Juste parce qu'il veut être apprécié par les gens. Comment donner face à votre marche avec Dieu? Vous voulez vous élever au niveau des de dépréciations où les gens te déprécient. Mais quand les gens te déprécient, tu t'apprécies. Alléluia. Vous allez continuer à prier. Et continuer à gêner. Alors que tu es la haine à quelqu'un. Si tu es la haine, assis où tu es. Tu es la haine de quelqu'un, peu importe la personne. Et peu importe ce qui t'a fini. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? Tu souhaites sa mort. Parce que celui qui a de la haine pour son frère, la Bible s'est merdée. Et aucun maîtrier n'est dans le royaume de Dieu. Quand tu haïs quelqu'un, tu souhaites sa souffrance. Voilà pourquoi le pardon est important. Les gens qui ont pardonné, ils sont libres de la haine. Les gens qui ont appris à pardonner, qui ont la capacité de pardonner, ils haïssent tous les gens. Vous remarquerez, quoi que tu le fais, ils ne haïssent pas. Parce qu'ils ont appris à pardonner. Ils ont compris que la haine, c'est comparé au maître. Tu le fais du mal, tu le fais ceci, il pleure. Mais c'est dans son cœur, non, je ne haïs pas. Ce sont des gens qui ont compris que ces personnes-là, quoi qu'ils font du mal, c'est sous les créatures de Dieu. Dieu les a créés comme il m'a créé. Amen. Je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un Amen. Parce qu'il m'a fait du mal.
et vous serez dégagé. Alléluia. Libérez-vous, frères. Amen. 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 Le Seigneur. Libérez-vous ce matin. Faut vraiment vous libérer. Un chrétien rempli de haine, c'est un très mauvais chrétien. C'est mauvais chrétien. Même spirituellement, tu ne prospères pas. Tu ne prospères pas avec la haine de Dieu. Faut vraiment vous prier Dieu. Faut vraiment vous prier Dieu. Vous allez voir, vous allez tourner en rond. Vous allez passer à côté des merdes pour votre vie. Libérez les prisonniers dans votre cœur. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de gens ne sont pas à la prison de la santé, prison de mes frères, mais ils ont le plus dans le cœur. Libérez les gens dans la tour. Quelqu'un t'a fait du mal. Il t'a fait ceci. Je pardonne. Et tu fais ta vie. Amen. Amen. Tu vas souffrir. Et tu vas aller en souffrir. Il faut la capacité, il faut la capacité des pardons. La capacité des pardons. Tu as souffert à un moment donné. Tu as peiné. Tu n'as pas dormi la nuit. C'était grave ce qu'on t'a fait. Je n'en disconviens pas. Mais ne haïssez pas les gens. Parce que Dieu ne donne pas ses droits de haïr les gens. Dieu ne donne pas les droits de se venger. Je ne donne pas ça. Déjà, le fait que tu ne pardonnes pas, Dieu est contre toi. Imagine si tu commences à t'évanger. Tu commences à haïr, tu ne te donnes pas. Parce que même tu ne me haïs pas les gens. Amen. Les pécheurs les plus pécheurs, frères et sœurs, si tu es sincère avec toi-même, tu connais ta vie passée. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, tu ne te donneras pas une chance qu'un jour tu seras dans une église écouter la parole. Amen. Parce que tu connais où tu viens. Mais dans son amour, dans sa grâce, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et celui qui t'a sauvé. N'haïs pas les gens. Vous savez, certaines personnes, avec les temps, quand ils vont se convertir, ils vont voir la révélation de Dieu. Ils vont comprendre qu'ils t'ont fini mal. Amen. Voilà pourquoi, 10 ans après, ma soeur, pardonne-moi. Ah, ma soeur, mais c'est pas ça qu'on parle. Parce que tu comprends qu'il t'a fait du mal. Parce que maintenant, il connaît Dieu maintenant. Vous allez voir encore en Belgique, ma soeur, comment ça va ça? Ah, j'espère que tu vas parler. Oh, ma soeur, mais c'est fini. Non, j'espère. Parce qu'il se rend compte, non, je fais du mal à cette personne-là. Mais allez, c'est pas les gens. Sinon, vous avez l'étiquette de meurtrier. Vous êtes un assassin, un criminel. Et Dieu bénit les criminels? Non. Tu ne vas pas avancer. Tu penses que tu avances? Non. Si vraiment tu libères les gens, tu ne seras pas plus là où tu es aujourd'hui. Vérité. Et parce qu'il ne faut pas parler, mais les gens parlent aux gens. Le monde est fait comme ça. Alléluia. Amen. 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 Les gens vous haïront, frère et soeur. Le problème, que vous ne lisez pas la Bible. Jésus a dit, si mon haï, il vous haïra. Maintenant, vous, quand on vous haït, tu ne vas pas pardonner. Jésus a dit, si mon persécuté, vous aussi, vous serez persécuté. Il y a certaines choses, bien aimées, quand ça vous arrive, alléluia, ça ne doit pas vous étonner. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu ne veux pas te persécuter, écoutez-moi, vous qui servez Dieu, si vous voulez être aimé par tout le monde, ne servez pas Dieu. Vous commencez à servir Dieu, les gens vont vous combattre, il faut s'attendre à ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a jamais derrière. Il ne faut pas gueuler. Si tu veux marcher avec Dieu, écoutez-moi. Je dis marcher avec Dieu. Je ne suis pas venu à l'église. Tu veux marcher avec Dieu. Tu seras détesté. Les gens vont vous rejeter. Parce que vous marchez avec Dieu. Ce sont les principes que vous mettez dans votre esprit d'élevé. Ils vont faire ça à Jésus. Si Jésus est votre maître, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Et les choses, quand ça vous arrive, ça ne doit plus vous étonner. Amen. Vous trouvez ça normal. Amen. On a fait ça au maître. On fera ça au disciple. Amen. Mais les gens aujourd'hui, ce n'est
Seigneur, élève-moi, une élévation. C'est pour bien aimer. Tu seras en haut et non en bas. Et non, quand tu regardes ta vie, tu es toujours en bas. Parfois, c'est le slogan. Alléluia. Mais pour être élevé. Amen. Pour être élevé, il ne faut pas que tu sois élevé. Si tu n'es pas élève, tu ne seras pas élevé. Amen. Mais vous ne voulez pas être élève. Un élève, c'est lui qui suit son maître. Amen. Un élève, il copie les maîtres. Amen. Les maîtres, maître, haïs, je haïs pas. On a insulté les maîtres, c'est moi qui m'insulte. On a haï mon maître, c'est moi qui m'haïsse. Mais vous voulez être élevé, mais vous ne voulez pas être élève. Un élève, c'est celui qui est élevé. Amen. Amen. Rentre chez vous à la maison. Mets-toi, je me dis, Seigneur, ces gens-là, je les pardonne. Je vais pas aller à l'enfer gratuitement. Pour que les gens m'amènent à l'enfer, ils doivent bénir pour m'amener à l'enfer. Je vais pas donner un coup de main au diable pour l'enfer. Ces gens-là, un tel, je le pardonne. Tu prends ton téléphone. Ça sent. C'est qui? C'est un tel. Même là où il va trembler. Ami, je t'appelle, ma soeur. Comment tu vas? Et tes enfants te marient. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je te pardonne. Ce qui s'est passé là, on oublie. Quand est-ce que tu es libre? Je voulais qu'on aille manger un peu au resto. Vous allez voir l'effet que ça va être fait dans son cœur. C'est comme une bombe. Yes, da. Je te pardonne. Et le problème, simplement, parce que les gens ne sont pas sincères. C'est ça le problème. Si vous êtes sincères, vous regardez dans beaucoup de choses que les gens vous ont haïs, vous êtes aussi responsable. Amen, vrai. C'est facile de dire que c'est la faute aux autres. Amen. C'est facile de connaître les autres. Si vous regardez bien dans certaines choses qui fait que tu es en conflit avec les gens, tu as aussi un certain potentiel de se faire vendre. Amen. C'est pourquoi les gens l'ont dit. Moi, je ne passerai pas mon temps à quelqu'un. Tu es loin de là. Tu m'insultes. Les gens qui m'insultent, il est sorcier, il est ceci. Amen. Amen. Un frère qui m'a dit, la femme passée m'a dit, non, mais pasteur couche avec ma femme. J'ai rigolé. Moi, couche avec ma femme. Et je dis, mais si tu couches avec ta femme, et toi tu couches avec la femme, moi j'ai couché aussi. Et tu es un voyou. Alléluia. Amen. Mais je sais, j'ai senti la méchanceté. Amen. Et nous, ça, j'ai senti la méchanceté. Alléluia. J'ai senti la méchanceté. Ni chaud ni froid. J'ai passé cette étape. Quelques années plus tard, la même personne vient me voir, vient passer, je demande pardon. Et je regarde déjà pour elle. Et elle a la même femme en plus. Je me dis si je couche avec elle maintenant. Je n'ai pas parlé de ça. Je dis, mon frère, je t'ai pardonné. Je dis, c'est pourquoi je t'ai déjà pardonné. Parce que je ne t'ai pas pardonné. Je ne pourrai jamais te recevoir. Mais quand je te dis, fais, viens, je vais te recevoir. C'est parce que depuis, je t'ai pardonné. Mais allez-y, regardez pas de soucis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Fallait à ce niveau-là, frère et soeur. Je passe plus mon temps à haïr quelqu'un. Non, je vais passer à ce niveau-là. Tu m'aimes, gloire à Dieu. Maintenant, tu ne m'aimes pas. Tu fais quoi? On force par l'amour. Si tu m'aimes, gloire à Dieu. Maintenant, si tu m'aimes pas, tu fais quoi? N'efforcez pas, frère. N'efforcez pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu achètes un avion, tu achètes un bâtiment, il ne t'aimera jamais. Ma soeur, mais ma soeur. Ne forcez pas un homme de vous aimer. Ne forcez pas. Non, je vais commencer à acheter les cadeaux. Les cadeaux, c'est pas l'amour. Il va prendre son cadeau, il met dans la bouche. Je vais commencer à donner ma paix, tout ça, il prend son argent. L'argent, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est l'amour. Sans argent, sans. Derrière, c'est quelqu'un qui t'aime. Il t'aime. Ne forcez jamais l'amour. Je vais me donner ma voiture comme ça. Demain, il va avoir des voitures. Il y en a un qui va plus loin. On va faire des enfants. Tu peux faire un enfant avec quelqu'un sans t'aimer. C'est quoi ça fait? Tu penses que tu fais un enfant avec quelqu'un qui va t'aimer? Il y a des gens qui ont des enfants de gauche à droite. Si quelqu'un t'aime, il t'aime. Si quelqu'un ne peut pas t'aimer, prie pour lui, Seigneur. Donne l'amour dans ton cœur. Mais ne forcez pas l'amour. Amen. Tu cours avec un homme parce que vous êtes aimé.
quoi faire ça. Amen. Mais comment va se briser maladie? Ce n'est pas la femme d'aimer l'homme. Amen. C'est la Bible. Marie, aimez votre femme. C'est l'homme d'aimer la femme. Si bien aimé, vous êtes avec un homme où vous avez forcé l'amour, ne t'inquiète pas, son cœur ailleurs. Il faut que l'amour soit naturel, spontané. Tu rencontres un homme, une femme, l'amour naît comme ça. Vous courez derrière les hommes. Comme on vous a dit aujourd'hui, les hommes sont des diamants dans ce monde. Et vous courez derrière les hommes. Laissez l'homme venir vers toi. C'est Adam qui est allé vers Ève. Alléluia. Ne vous cassez plus la tête, frères et sœurs. Vous avez les problèmes, je vous dis arrêtez. Vous savez les problèmes. Vos problèmes, c'est quoi? Sur 10 personnes. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 10. 9 personnes t'aiment. Une personne ne t'aime pas. Dites des soucis d'une personne ne t'aime pas. Au lieu d'être content de 9 personnes qui t'aiment. Elle ne t'aime même pas, je ne sais pas. Que je... Il y a 9 qui t'aiment. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne comprends pas ma vie. Pour aimer combat, tout ça. Il y a 9 qui t'aiment. Attache-toi aux 9 personnes qui t'aiment. Laissez la seule personne qui t'aime pas dans son cœur. Je vais voir les gens toujours avec la même personne qui n'aime pas. Mais moi, c'est bizarre. Les gens sont souvent avec les gens qui ne les aiment pas qu'avec les gens qui les aiment. Soyez avec les gens qui vous aiment, qui vous aiment. Et surtout avec les gens qui vous savent, qui vous aiment. Allez dans un endroit bien aimé où vous êtes aimé. Si vous sentez dans un endroit où vous n'êtes pas aimé, n'allez pas. Quand vous allez là-bas, vous allez briser votre cœur. Amen. Parce qu'ils t'aiment. Ils vont te montrer qu'ils t'aiment. Quand tu vas venir, tout le monde va manger et te donner des couverts en ferraille. Hey, donnez le plastique à ta soeur. Tout ça pour te rabaisser. Mais comment ils ont donné à tout le monde des vrais couverts? Moi, c'est en plastique. Qui t'a dit dans la main? Amen. Tu viens dire, non, va t'asseoir derrière là-bas. Et puis quelqu'un dit non, non, ma soeur, qui t'a soigné? Non, 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 mais ça est derrière là-bas. Qui t'a dit d'aller là-bas? Il faut toujours aller dans un endroit. Et même Jésus fait ça. Là où il était lapidé, là où il était insulté, chassé, il ne venait plus. À Nazareth, où il est né, il n'était pas considéré. Il n'a fait aucun miracle. Parce que la grâce est sur ta vie, l'onction sur ta vie ne fonctionne jamais là où tu es détesté. Ça fonctionne là où tu es aimé. Regardez, même vous, si vous écoutez, vous dites amen là. Si vous ne m'aimez pas, l'onction sur ma vie ne fonctionne pas pour vous. Amen. Mais c'est la puissance de l'onction. C'est la grâce que l'onction est toujours activée là où tu es aimé. Là où tu n'es pas aimé, bien aimé, même si on te donne à servir de l'eau, dans cette autre part, tu vas trembler, tu mets par terre. Et mais toi aussi, parce que tu n'es pas aimé là-bas. Tu ne seras pas à l'aise. Vous n'allez pas dans un endroit où vous n'êtes pas aimé. Vous ne serez pas à l'aise. On va vous rabaisser. On va vous torturer. Et donc, il va être blessé. Jésus n'a fait aucun miracle à Nazareth. Pourquoi? Parce qu'à Nazareth, alléluia, il était considéré comme le fils de Marie. Il était considéré comme le charpentier. Mais ailleurs, il faisait des grands miracles. Parce qu'il était considéré comme le fils de Dieu. Si, bien aimé, vous libérez la haine, vous libérez votre vie. C'est ça l'important, c'est pas. Je vais vous sauver, bien aimé, je vous garantis. Passez des sages. Si vous voulez, vous l'écoutez jusqu'à la fin et vous ne pardonnez pas. Alors, bonjour la famille. Je vous dis la vérité, si vous ne pardonnez pas, après avoir écouté ces messages-là, vous allez tout sortir de cœur. Mais non, le pasteur peut prêcher et il ne connaît pas ce qu'on a fait. Alors, je dis bonjour la famille. Tu donneras des raisons. Parce que lui, les pasteurs, on n'a jamais fait ça. Toi, tu sais que ces gens m'ont fait. Parce qu'il n'a jamais vécu ça. C'est pourquoi il parle comme ça. Moi, jamais je vais pardonner. Ok, alors à l'enfer. Mais si tu penses les morts. Alléluia. La meilleure façon de l'aimer. Et soit que Dieu utilise pour parler à son peuple. Son travail et sa parole. Amen. Vous voulez toucher le prophétie.
tu es là aujourd'hui, tu savais qu'on va parler de ce message. Je suis dans ton cœur. Et Dieu te parle. Rentre-t-il dans la cible, prends la décision. Je veux un tel. Je le libère aujourd'hui. À part ce matin, il n'y a plus de problème. Tu vas les voir, tu te reconstruis. Tu libères ta vie. Derrière, ils vont parler. Frères et sœurs, alléluia. Amen. J'en parlais toujours. Ah, je vous ai dit, hein, il viendra. Il est venu, c'est pas grave. Au moins, tu as libéré ton cœur. Amen. Je vois la même la télévision. Je vous ai dit qu'il viendra. Je l'ai dit, il est venu. C'est pas grave. Frère, tu sais, il y a 2 ans, on s'est vu, je sais pas, aux États-Unis. Je t'ai dit qu'il viendra me pardon. Tu t'es dit, ah, je me rappelle. Il est venu. Mais moi, tu as libéré ton cœur. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Les gens vont parler, à un moment donné, ils vont s'arrêter de parler. Et la grâce va commencer à venir, mais il n'est pas possible que la grâce cause sous ta vie. Avec les membres des membres, non, ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible que la grâce de Dieu cause sous ta vie. Avec les membres, ce n'est pas possible. Tout sera bloqué. Ton mariage, ta percée, ta bénédiction, tout sera bloqué. Et vous allez accuser les diables. Alors que c'est les membres des membres. Même des rêves. Alléluia. Amen. C'est pourquoi comment tu peux bien rêver quelqu'un alors que tu es là. C'est pas possible. C'est pourquoi tu te vois toujours, non, il vient avec un couteau. Ah, c'est sûr que les sorciers. Non, il n'est pas sorcier. Mais parce que dans ton cœur, tu es haï. Comment tu peux bien rêver quelqu'un que tu haïs? Tu peux bien rêver. Amen. Moi, je comprends pas cette soeur-là, ce frère-là. Chaque fois, je fais mes rêves. Il me combat, il vient me frapper, il me poursuit. Mais c'est normal, tu l'aimes pas. C'est toi. Amen. Tu l'aimes pas. Amen. Mais regardez les rêves que tu fais avec les gens que tu aimes. C'est différent que les rêves que tu fais avec les gens que tu n'aimes pas. Amen. Frère, c'est aimer les gens. Alléluia. Amen. Aimer les gens. Le monde, il est comme ça. Le monde, il est comme ça. Tu réussis. Ils vont critiquer. Tu ne réussis pas, ils vont critiquer. Amen. Mais tu fais comment? Tu prospères, ils vont parler. Tu ne prospères pas, ils vont parler. Les monde est comme ça. C'est pourquoi il est important de vivre sur la parole de Dieu. Amen. Tu presses la vie et fais attention. Peut-être qu'il a mis sa main quelque part. Maintenant, tu es malheureux. Il faut les réunions, tu vois. Il a la malédiction. Il est maudit, toi, il est maudit. Des ménages échangent. Hein? Il est parti dans tel pays. Je sais dans tel pays là, on touche ceci. Le monde est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi vis ta vie avec Jésus. Amen. Vis ta vie avec Jésus. Même le monde est dit. Même, est-ce que, je sais pas, je disais, est-ce que le monde est français? Même le monde est dit, les chiens aboient, la caravane passe. Laisse les chiens aboyer. Les chiens aboient, mais pendant qu'ils aboient, la caravane passe. Et la caravane sait qu'elle a besoin, c'est de passer. Donc ils ne s'occupent pas des chiens qui aboient. N'écoutez pas tout ce que les gens disent. Alléluia. Amen. Protégez votre cœur. Amen. S'il y a des endroits, je vous dis la vérité. S'il y a des endroits où vous n'êtes pas aimé, n'allez pas, parce que vous protégez votre cœur. Amen. C'est des choses qui se passent là-bas. Quand tu vas te dégoûter, ça va briser ton cœur, ça va blesser ton cœur, ça va détruire ton cœur. Ça va te pousser à la haine, à la vengeance, à la méchanceté, mais Dieu te maudit. Donc si tu n'as pas une possession, ne va pas. Amen. Amen. Et les invitations qu'on ne répond pas. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. On ne répond pas. Dis merci, ma soeur. Merci. Mais tu ne vas pas. Parce que je sais que si je vais là-bas, je sais ce qui se passe là-bas. Et je vais protéger mon cœur. Et puis le matin, je suis bien dans mon cœur. Tu t'es réveillé, tu es joyeux. Tu sens la grâce de Jésus. On dirait qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'arrive. Et puis tu vas dans un endroit. Quand tu rentres, tu commences à pleurer. Pourquoi tu es allé là-bas? Fais comme Jésus. Les endroits, il n'allait pas. Alléluia. Amen. Et pour donner le fils de Dieu. Il n'allait pas. L'endroit, il n'allait pas. Parce qu'il savait que là-bas, il est détesté. Là-bas, il n'est pas honoré. Là-bas, déjà, il n'aime pas. Il n'allait pas.
pourquoi il menait une vie cachée. Même quand il y a une fête, les gens venaient à ces fêtes. Et est-ce qu'il n'est pas là? On le cherchait partout. Il savait que je ne viens pas. Et les enfants ont cherché Jésus. Et il savait, non, là, je ne peux pas y aller. Ce n'est pas bon pour moi. Il s'est caché. Amen. Amen. Parce qu'il faut protéger le cœur. Amen. Parce que, écoutez-moi, frères et sœurs, tout ce qui doit arriver dans ta vie, tout ce qui arrive dans ta vie, dépend de ton cœur. Alléluia. Amen. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Protégez votre cœur. Protégez votre cœur. Si ton cœur est en paix, laissez ton cœur en paix. Amen. Que tu manges pas. Bien aimé, parfois la paix est plus que manger moi. Amen. Il y a des gens qui peuvent manger moi. Ils sont troublés à l'intérieur. Amen. Ils dorment pas la nuit. Mais ton cœur est en paix. Gardez ton cœur en paix. Gardez ton cœur en paix. C'est parce que c'est par rapport à ton cœur. Dieu t'est béni. Amen. Garde ton cœur. Mais allez pardonner aux gens. Alléluia. Amen. Libérez-vous de la haine. Libérez-vous. Allez vous libérer, frère. Ma soeur va vous libérer. Vous allez voir sans prière, sans intercession. Dieu va commencer à vous bénir. La grâce va commencer à couler. Amen. Les portes vont s'ouvrir sans effort. Parce que simplement la haine est partie. Amen. Laissez cette personne-là. Amen. Amen. Laissez-le. Laissez-le. Vis-à-vis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième point, le pardon vous rend heureux. Et le pardon vous réconcilie avec Dieu. Et ça, on verra ça dimanche prochain. Parce que si le pardon nous réconcilie, donc le manque de pardon, alléluia, nous sépare avec Dieu. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il peut chanter, il peut voir des visions, il peut voir des signes, il est séparé de Dieu. C'est pourquoi quand tu pardonnes, tu te réconcilies avec Dieu. Amen. Alléluia. Les fils prodigues, dans Luc 15, quand il a demandé son pardon à son père, alléluia, il s'est réconcilié à son père. Il a dit même à son père, traite-moi comme un mercenaire. Mais quand le pardon réconcilie, son père a dit non. Mais tu es pas mercenaire, tu es fils. Un fils, c'est un fils. Non, je ne te traite pas comme un mercenaire, je te traite comme un fils. Parce qu'il a demandé pardon à son père. Le pardon qu'il a demandé à son père, l'a réconcilié avec son père. Si tu es là, frère et soeur, dans ton haine, tu agiras quelqu'un qu'il meurt. Tu es séparé de Dieu. Cette personne-là, celle-là, tu attends qu'il y ait des nouvelles. On te dit que non, il est à l'hôpital. Il est dans les comas. Commence à prier même pour sa mort. Tu es séparé de Dieu. Même vos ennemis, vous devez les bénir. Alléluia. C'est ça, bien aimé, la dimension de l'amour de Dieu. La dimension de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens dans l'église sont séparés de Dieu. Mais lorsque tu pardonnes, tu te réconcilies avec le Seigneur. Amen. Le pardon n'est pas heureux. Le pardon. Donc quand quelqu'un n'est pas heureux, c'est qu'il est malheureux. Que la grâce de Dieu se mette sur votre vie. Que l'amour de votre vie. Amen. Ma prière vraiment que Dieu vous délivre. Amen. Que Dieu vous libère. Vous puissiez vivre le meilleur de Dieu sur la terre. Jouis de la vie. C'est à quoi Dieu vous a appelé. Vous avez vu ces choses-là. Allez pardonner, allez rejeter la vengeance, la haine au nom suprême de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.